Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale consacrée au premier tour des législatives en France. Bien sûr, ce soir, nous allons débattre des premiers résultats du premier tour qui sont actuellement en ballottage entre deux forces actuelles en France, les nouvelles forces politiques, les NUP, ou les nouvelles unions populaires écologistes et sociales de Mélenchon et des socialistes, et bien sûr, le mouvement Ensemble du président Emmanuel Macron. Alors pour en débattre, nous avons avec nous deux intervenants de France, M. Sébastien Péry-Maury, candidat aux législatives à l'étranger, et M. Philippe Restich de l'Union populaire, proche de Mélenchon. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. M. Péry-Maury, premier commentaire sur les résultats du premier tour. Alors déjà, c'est M. Péry-Maury. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend, M. Péry-Maury. Allez-y. Voilà, donc M. Péry-Maury. Donc pour moi, donc j'étais candidat avec le Parti Solidarité et Progrès. Et pour nous, on a présenté une cinquantaine de candidats simplement parce que les élections législatives en France fait que c'était surtout une élection pour les partis qui ont beaucoup d'argent. Pour commenter le résultat, déjà, pour moi, c'est une double tragédie pour la France parce que déjà une tragédie en termes du taux d'abstention. Il faut savoir que plus de 50% des citoyens français ne sont plus intéressés pour aller voter pour les gens qui les représentent à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une première dans l'histoire de la Ve République. Donc ça, c'est déjà une grande déception pour nous, les militants qui se mobilisons au quotidien pour essayer de faire en sorte que les gens s'intéressent à la politique. Donc ça, à mon avis, c'est la grande désillusion de ce scrutin. Et la deuxième, évidemment, c'est ce match truqué d'avance, hein, comme le match de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avait été truqué d'avance par le biais des médias. Aujourd'hui, on a le match Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, avec un Jean-Luc Mélenchon qui, bien sûr, ne pourra jamais être Premier ministre. On le voit dans le rapport de force, même si il faut saluer le fait qu'il ait multiplié peut-être par 3, 4 ou 5 le nombre de ses députés. Donc c'est pour lui peut-être une victoire, mais une victoire qui ne servira à rien, puisqu'il n'aura pas la majorité. On verra avec le groupe Ensemble, plus les Républicains, etc., avoir une majorité donc, à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui veut dire cinq ans de plus de la politique de En Marche. Et je prévois malheureusement des soulèvements sociaux très rapides d'ici avant la fin de l'année, de par la politique qui va être menée par le gouvernement En Marche avec sa majorité présidentielle. Est-ce que vous considérez justement que ce résultat est négatif, d'autant plus qu'il y a un ballottage entre les deux forces du centre et de gauche, hein. Mélenchon, c'est vrai qu'il n'a pas encore la majorité, mais d'après les derniers chiffres, c'est 25,9% pour les deux mouvements. Oui, bah, il faut bien distinguer, si vous voulez, le résultat. En effet, M. Mélenchon, ils sont ex aequo, on va dire, dans le nombre de votes. Mais ce n'est pas ce qui fera la majorité en termes de députés à l'Assemblée nationale quand on sait les reports de voix qui se feront au second tour, en particulier en faveur de l'alliance présidentielle. Donc, en effet, ils sont côte à côte, mais ça ne représente que 12,5%, si vous voulez, chacun des inscrits aux élections en France. Donc ça, on peut dire que c'est une demi-victoire. Oui. Personne, finalement, n'a réussi à mobiliser. C'est-à-dire que les candidats de Ensemble et les candidats de la NUPES ont fait moins de votes qu'aux élections présidentielles. Donc on voit encore un retrait du nombre de votes par rapport au programme que portent ces candidats. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français prennent de plus en plus conscience que ces partis, si vous voulez, c'est un petit peu une pièce de théâtre où on se passe la balle l'un et l'autre, mais qu'aucun n'a réellement envie de changer la situation, changer le système économique, prendre à bras le corps les problèmes des citoyens français, et donc les gens s'en désintéressent. Et je prédis un avenir très mauvais, si vous voulez, pour les partis politiques français qui seront à l'Assemblée nationale dans le prochain mandature. Quel est justement, vous êtes candidat pour les législatives à l'étranger, quel est l'impact des députés de l'Assemblée française à l'étranger? Nous avons vu un petit peu votre campagne qui était très agressive et très compétente, mais malheureusement, le lobby de certains milieux, parfois proches du Maroc, ont pris le dessus sur la députation, les candidats à la députation des forces un petit peu, disons, indépendantes. Oui, alors je ne sais pas ce que vous entendez par ma campagne agressive.
J'ai vu que vous étiez très, très présent sur les réseaux sociaux et très présent dans les campagnes, enfin dans la campagne électorale. Tout à fait, on a été en campagne pour gagner. En effet, j'ai essayé de venir. Oui, vous avez fait. Oui, tout à fait. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, j'ai essayé de faire campagne depuis l'extérieur. Comme je disais encore, on est un parti qui a peu de moyens, donc c'est difficile de pouvoir se déplacer dans tous les pays. Donc, on a fait une campagne en effet très agressive, mais très agressive aussi sur le fond, puisque en effet, il faut savoir que dans la 9e circonscription où j'étais candidat, la moitié des candidats étaient de la majorité présidentielle, mais on peut dire que 80% des candidats, et là vous l'avez mentionné, en effet, c'est des candidats qui font campagne au Maroc, qui ont leur base au Maroc, qui ont leur réseau et leurs intérêts. On le sait que beaucoup de partis, en particulier les Républicains et le Parti Socialiste en France, ont beaucoup de relais, de réseaux, voire de villas au Maroc. Donc voilà, c'est vrai que c'est une campagne qui s'est jouée beaucoup là-bas. C'est là où il y a le plus de votes et très très peu malheureusement dans les autres pays. D'où ma volonté d'avoir voulu mobiliser plus sur le Mali, l'Algérie, des pays qui sont peut-être un peu plus en rupture, si vous voulez, avec le système établi. Merci, monsieur Périmori. Restez avec nous. On va en continuer le débat avec monsieur Philippe Restich. Monsieur Restich, vous êtes candidat pour l'Union populaire. Est-ce que ces résultats satisfont un petit peu le camp de Mélenchon? Alors, bonsoir, je précise une chose, je ne suis pas candidat, je suis le directeur de campagne du candidat Rodriguez, qui est candidat pour les Français de l'étranger en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il était invité avec nous il n'y a pas longtemps, oui. Oui, il était avec nous il n'y a pas longtemps pour les résultats du premier tour, justement. Écoutez, nous, on est très heureux du résultat de ce soir. Est-ce que Rodriguez a été élu député en Amérique latine? Parce que je pense qu'il était candidat... À l'étranger. Il est au second tour. Alors, vous savez que pour les Français de l'étranger, c'est en décalé. C'est le 4 et 18 juin. Donc, le premier tour a déjà eu lieu. Il est en effet au second tour face à également une candidate de la majorité présidentielle ensemble. C'est ce qui s'est profilé dans 10 des 11 circonscriptions des Français de l'étranger. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un duel entre le ou la candidate de Macron et le candidat ou la candidate de la NUP. Alors, comme je disais, ces résultats sont un petit peu favorables pour le mouvement un petit peu de gauche proche de Mélenchon. Bah, par la force des choses, oui. Si on regarde les chiffres, c'est quand même assez incroyable parce que cette élection, ce premier tour, il prouve une chose, que c'est la première force politique dans ce pays. C'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Actuellement, vous êtes à égalité avec le mouvement Ensemble de Macron. Donc, il n'y a pas une majorité un petit peu qui se détache de cette élection. Les estimations varient. J'ai les chiffres en face de moi. Évidemment, ils sont en train de changer pendant qu'on parle. Hein, mais on a le sondage ELAB qui nous donne un point à 25,2 pour le macronisme. Donc, ça varie. On est entre un point d'écart et 0, et quelques. Mais bon, on est quand même en tête d'une élection dans laquelle on nous prédisait depuis des mois un échec total parce que Mélenchon il parle trop fort, parce que Mélenchon il mange des enfants, ou je ne sais encore quelle sottise qu'on a pu voir sur les chaînes d'information en France et qui pourtant n'ont rien fait au résultat malgré une abstention, et je le souligne comme mon collègue, c'est une abstention forte qu'on a vue. De 51%, de 51% d'après les derniers sondages de IFOP. C'est ça, c'est les estimations. Alors, c'est une abstention qui s'explique essentiellement par le fait que les seuls qui ont fait campagne dans ce pays, en tout cas une campagne à l'échelle nationale, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. En tout cas, face à un président qui a voulu justement jouer sur l'abstention justement baisser le niveau des voix de la NUP, de ce qu'on appelle la NUP aujourd'hui, qui trouve plutôt son vivier dans les quartiers populaires, là où les gens se mobilisent moins, d'habitude qui sont démoralisés par la politique, et qui pourtant là se sont rendus aux urnes, et qui je l'espère se rendront encore plus massivement aux urnes dimanche. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un pari complètement, c'est un échec total pour le macronisme aujourd'hui, puisque... même en jouant sur l'abstention et en pariant sur le fait que les gens n'iraient pas participer, eh bien, ils se retrouvent
second ou à égalité, comme vous voulez, mais en tout cas, ils ne se retrouvent pas en majorité, ni même en majorité absolue, ça on peut d'ores et déjà quasiment le dire. Donc c'est une grande victoire pour nous, on est dans plus de 500 pardon, circonscriptions au second tour sur 577, c'est énorme. Et donc là, les gens ils vont avoir un choix clair à faire dans la plupart des circonscriptions. Est-ce que vous voulez ceci? Est-ce que vous voulez cela? Est-ce que vous voulez continuer avec 5 ans de casse du système social, d'inaction écologique? Est-ce que vous voulez la retraite à 65 ans? Vous voulez la retraite à 60 ans? Est-ce que vous voulez le SMIC à 1500 euros net? Est-ce que vous voulez le blocage des prix? Tout ça, c'est une série de mesures que les gens vont être appelés à trancher pour le second tour, et on espère que ça ira dans le sens de ce progrès social, humain, humaniste, social, écologiste et démocratique auquel on appelle ici à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc on est très contents ici, nous, et très contents de l'invitation aussi merci. Sur votre antenne pour en parler. Merci, Monsieur Philippe Restich. Nous allons revenir un petit peu sur le plateau et débattre des résultats avec nos experts. Faisal Mataoui, Reda Harirach et bien sûr Sofiane Baroudi qui suit de très près ces élections. Alors, première question, Reda, est-ce que c'est un nouveau paysage politique français? On s'est habitué à la droite et à la gauche. Aujourd'hui, nous avons deux mouvements qui ont fait une alliance, le mouvement de la gauche, le mouvement du centre ou de la majorité présidentielle, comme on l'appelle. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une révolution dans le paysage politique français? Dire qu'il y a une révolution, ce n'est pas le cas encore. Mais on constate quand même qu'il y a une redistribution des cartes, puisque c'est le premier tour des élections. Il y a trois pôles qui se dégagent. Vous avez donc le parti, la coalition de Jean-Luc Mélenchon. Oui, l'INUP. Oui, le président, le parti du président sortant, mouvement ainsi ensemble, que le Rassemblement national. Le Rassemblement voilà, national. Les trois, il y a trois pôles qui se dégagent. Oui. Et non il y a pas le Rassemblement national qui a décroché 19% des voix. Hein, ce donc, qui est appréciable. Il peut peut-être décrocher 25 sièges à l'Assemblée et constituer pour la première fois, et c'est historique, un groupe parlementaire. Exactement. Donc cette redistribution va permettre à des partis qui n'avaient pas de visibilité, et notamment pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, de peser davantage dans les débats. Et c'est pratiquement le premier parti d'opposition maintenant au sein de l'Assemblée nationale. Il faudra attendre maintenant le second tour pour savoir si M. Mélenchon a la possibilité de créer la surprise, parce qu'il faut savoir que même si son parti est arrivé en première position en nombre de voix, en ce qui concerne le nombre de sièges, c'est plutôt le parti de la majorité présidentielle qui semble avoir la tête du podium. Donc, cette redistribution va probablement encourager, peut-être, un certain nombre d'électeurs qui étaient indécis, qui ne se sont pas prononcés ce dimanche pour aller voter la semaine prochaine. Toujours calme, Reda Harirach, notre analyste politique spécialisé dans les questions européennes. Alors, Faisal Mataoui, vous avez, comme tous les observateurs politiques, observé un petit peu cette élection législative qui n'a pas été trop médiatisée dans les médias français, nous l'avons remarqué, trop accaparée avec la crise en Ukraine. Oui. Les législatives, comme la présidentielle française, est passée totalement à côté, ce qui a engendré 51% d'abstention. Oui, hein. Déjà l'abstention aux élections de 2017 était aussi importante, hein, c'est presque 50%, elle a augmenté de 1%, ça veut dire que presque 25 millions de Français ne sont pas allés voter, et certains ont préféré le beau temps et la pêche, et comme c'est l'habitude, parce que les partis, il y a un grand défi maintenant qui est lancé aux partis, parce qu'il fallait se regrouper en 12 partis pour la NUPES, pour la NUPES, je ne sais pas comment l'appeler. La Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale. Et sociale, c'est 12 partis. Et l'autre groupe, c'est le groupe Ensemble. Alors, pardon, c'est ça, une question. Pourquoi ils n'ont pas fait cette stratégie pour la présidentielle? Oui, parce qu'ils ont compris que pour la présidentielle, Mélenchon a tenté de rassembler la gauche, mais vous avez vu comment le Parti Socialiste a été laminé. D'ailleurs, pas uniquement le Parti Socialiste, même les Républicains et tous les partis classiques. Cette élection législative, comme l'a dit Reda, confirme qu'effectivement, il y a une nouvelle tendance
tendance lourde dans le paysage politique français, c'est qu'il faut se rassembler en plusieurs forces pour essayer de convaincre l'électorat. Les Français ne veulent visiblement pas donner une majorité absolue à un mouvement ou à un courant. Mais ce qu'il y a à retenir, il y a au moins plusieurs points. Le premier est que c'est l'échec de la majorité du président Macron. C'est un paradoxe dans la Ve République. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président qui vient d'être nouvellement élu perd sa majorité. On est très très loin du mouvement de 2017. On avait un président avec le mouvement En Marche qui avait la majorité. Tout le monde était heureux, tout le monde était content du projet ramené par un jeune président. Là, on est vraiment dans un autre mouvement parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé entre-temps. La crise de Covid-19, les problèmes sociaux, les gilets jaunes, le problème de la retraite qui se pose avec beaucoup d'acuité dans l'espace politique français. Il y a autre chose, Salim. Éric Zemmour, qui était candidat et qui a, vous avez remarqué comment il a meublé ou il a habité des studios dont on a parlé dans Mediapro, et il n'a pas été élu. Oui, il a réalisé 23%. 23%. Comment un président sortant qui était dans tous les plateaux présenté comme quelqu'un qui allait presque gagner les élections présidentielles perd des élections législatives dans son pied. Ça donne une leçon que l'électorat français n'est pas aussi. Est-ce que tu penses que politiquement il est fini? Pas politiquement, il va essayer de rebondir parce que lui-même, il dit que nous sommes reconquête sans parti, et c'est le seul parti de droite, selon lui. Pour lui, il n'y a pas de droite parce que pour être de la droite, il faut rejeter les émigrés. Marine Le Pen aussi n'a pas été élue. Elle est en ballotage. Elle est en ballotage, elle a eu 55% des voix, mais elle n'a pas été élue. Donc, il y a beaucoup à dire sur ce mouvement d'extrême droite qui suscite aussi le paradoxe et beaucoup d'analyses peut-être se trompent en pensant que c'est un mouvement qui allait. Certains ont même prévu qu'il allait emporter plus de 60 sièges. Hein. J'ai lu les commentaires dans la presse française, ce n'est pas le cas. Et l'abstention, je pense aussi, c'est un défi. L'abstention pour le paysage politique français est un défi dans la mesure où les Français, peut-être ils veulent de nouvelles têtes, de nouvelles idées, de nouvelles forces politiques et de nouvelles perspectives, surtout économiques et sociales. Alors, Sofiane Baroudi, on va revenir un petit peu sur les NUP. Est-ce que, d'après vous, c'est une nouvelle force politique? Parce que la gauche a perdu du terrain depuis quelques années. D'abord, la droite a pris le pouvoir pendant plusieurs années. Et puis, il y a eu le mouvement En Marche de Macron. Aujourd'hui, la gauche tente de récupérer ce terrain qu'elle a perdu depuis Mitterrand, en fait. Je pense que les résultats sont clairement une expression, si vous voulez, déjà d'une forme de réussite des NUP qui, à la base, était un projet. Est-ce que vous pensez que le PS, qui était une force politique importante avec le PCF, donc ils sont redistribués sous de nouvelles formes politiques? Il y a clairement une nouvelle forme. Ça a été déjà le cas de la tentative, ce qu'on appelait Front de Gauche à un moment, et une nouvelle reconfiguration avec la NUP qui récupère, y compris par exemple, les expressions écologistes qui sont très très fortes et qui ont, si vous voulez, un public important, parce que la question écologique est aussi au cœur des préoccupations de beaucoup de peuples européens notamment. Et donc le fait de jumeler les communistes qui ont un appareil important, y compris à l'échelle territoriale dans les communes, avec les écologistes qui représentent, si vous voulez, un peu une tendance politique à la mode aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une adhésion autour de Jean-Luc Mélenchon, qui est une figure forte, a permis justement de séduire un certain électorat. Après, moi, je pense que la NUP était vraiment une solution de nécessité, une solution d'urgence, parce qu'il y avait clairement une percée de l'extrême droite d'un côté qui était dangereuse et effrayante pour le camp de la gauche radicale notamment, mais aussi une percée, si vous voulez, d'une tendance de ce qu'ils appellent justement le macronisme ou de l'élitisme des grandes cités urbaines à imposer un système quasiment dictatorial. C'est-à-dire que pendant le premier mandat de Macron, par exemple, on reprochait à l'exécutif de minorer, voire de marginaliser complètement le pouvoir législatif ou alors le pouvoir des collectivités territoriales. Et donc il y a aussi, il faut y voir à mon avis, vraiment une solution d'urgence. Et comme disait M. Perimoni, je pense qu'il y a aussi une situation sociale et une situation géopolitique très très tendue, et on peut s'attendre aussi à des formes de mécontentement qui vont s'exprimer, y compris dans la rue. Moi, je pense, Salim, que la France va peut-être aller soit vers la cohabitation. On a eu déjà la cohabitation, on est là avec Mitterrand, avec Chirac, et Chirac avec Jospin.
cohabitation qui sera très difficile, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contradictions entre ce que demande la NUPES en termes social, en termes économiques, en termes de changement, le retrait de l'OTAN par exemple, le rapport avec l'Europe, le retrait du nucléaire, etc. C'est des questions très, très lourdes dans la politique extérieure et intérieure française. Et la majorité du président Macron, est-ce qu'ils vont cohabiter ensemble au Parlement? Est-ce qu'on va aller vers une crise institutionnelle? Parce que c'est vraiment l'inconnu. Et c'est pour ça que le deuxième tour paraît très important. On verra. Et l'abstention, ça veut dire que la NUPES, qui effectivement a rassemblé la gauche et les mouvements écologiques, devrait, à mon sens, travailler, y compris le mouvement Ensemble du président Macron, travailler pour essayer de convaincre les Français d'aller voter. Parce que ça alors, va desservir les deux courants. D'après les derniers chiffres de IFOP, le mouvement Ensemble de Macron pourrait totaliser entre 275 à 310 sièges de l'ensemble des 577 de l'Assemblée. Et les NUP de Mélenchon pourraient atteindre les 210 sièges. Donc, il n'aura pas la majorité. La majorité, Mélenchon, c'est 289 pour avoir la majorité. Oui, exactement. Ouais. Mais apparemment, le mouvement Ensemble de Mélenchon. Ça, c'est un sondage. Hein. C'est un sondage pour le deuxième tour. C'est-à-dire le résultat. Les calculs seront compliqués. Parce que c'est compliqué. En plus, c'est compliqué. Mais ça, c'est les estimations de IFOP. Parce que déjà, les sondages en France, certains ont donné. Ils font les recoupements des voix. Les sondages ont donné. Un sondage a donné la victoire à la NUPES ou la NUP. Et un autre a donné la victoire pour les sondages. En tout cas, il n'y aura pas de majorité présidentielle. Il n'y aura pas de majorité présidentielle, absolue. C'est le plus important. On verra. Alors, avant de poursuivre le débat, nous allons regarder ce reportage qui a été réalisé par Sophie Mbaroudi sur le nouveau paysage politique en France. Les résultats du premier tour des élections législatives françaises confirment la tendance d'une bataille ardue pour le contrôle du pouvoir législatif. Si l'alliance présidentielle est arrivée en tête de ce premier tour, beaucoup d'éléments indiquent néanmoins qu'il sera difficile au président Macron réélu récemment de s'offrir une majorité parlementaire. Avec un peu plus de 26% des suffrages exprimés, le camp présidentiel arrivera difficilement à se tailler le pouvoir législatif en ballottage net, même si la nouvelle première ministre est arrivée en tête de sa circonscription électorale. À ce propos, 14 ministres étaient engagés dans ces joutes, un vrai test de légitimité pour le nouveau gouvernement. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale, conduite par Jean-Luc Mélenchon et englobant les principales compositions de gauche, de la social-démocratie au vert, paraît être le grand gagnant de ce premier tour. Avec plus d'un quart des voix exprimées, la coalition de gauche se met à rêver d'une cohabitation pour mettre la pression sur le président Macron et stopper l'extrême droite, toujours en progression. À ce propos, le Rassemblement national de Marine Le Pen réalise une percée importante et s'impose comme force parlementaire, ce qu'il n'a jamais été sous son ancienne forme, de Front National. Pour sa part, le parti Renouveau, dirigé par le polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, a subi une débâcle, tout comme son leader, éliminé dès le premier tour dans un fief ultra. Un désaveu clair pour cette composition néofasciste qui appelle à l'union des droites et de l'extrême droite pour stopper l'élan de la gauche radicale. Le camp de l'abstention est en somme le plus grand gagnant avec plus de la moitié du corps électoral qui a préféré ne pas se rendre aux urnes. La première force politique fera donc la décision dans un second tour qui promet un ballottage tous azimuts d'une 5e République en grande bifurcation. Voilà, nous allons revenir un petit peu à nos amis de Paris. Monsieur Philippe Restich, vous êtes avec nous ? Oui, toujours là, bien sûr. Oui, alors, d'après ces résultats et les résultats qui sont avancés par certains instituts de sondage, le mouvement de... Les NUP de Mélenchon n'aura pas la majorité comme c'était attendu. Est-ce que on parle toujours de Mélenchon comme Premier ministre, sachant que l'actuel Premier ministre, Madame Elisabeth Borne, est en ballottage favorable au Calvados avec 36% des voix? Écoutez, plus que jamais. Sur 577 circonscriptions, on a 500 seconds tours qui opposent un candidat à un candidat de la NUP. Ah oui. Maintenant, ça veut dire quoi? Il faut faire attention aux estimations et aux sondages pour le second tour. Là, les cartes sont rebattues. On a eu un premier tour avec seulement 53% de participation, ce qui est faible, il faut rappeler. Donc, pour le second tour, là, il va y avoir une série de personnes, beaucoup de personnes qui vont probablement se mobiliser et changer le cours de ce qui est annoncé depuis le début. On nous annonçait
y compris pour la présidentielle. Je me rappelle, un an et demi avant, on disait, mais Mélenchon, c'était perdu, c'était 9%, c'était 8%. Résultat, on termine à 22%. Ensuite, les élections législatives, non, monsieur Mélenchon, vous n'aurez jamais, ne serait-ce qu'un groupe de 100 députés. Puis, ah oui, peut-être vous aurez un peu plus de 100, mais bon, c'est un peu compliqué. Tout est compliqué, mais au final, il s'avère que la stratégie est payante, c'est-à-dire la stratégie d'aller convaincre les gens, pas de les tordre, pas de leur faire croire ceci ou cela, de leur proposer des choses très concrètes qui correspondent à une vision du monde. Et c'est cette vision du monde qu'on va porter aussi au second tour. Et je vous assure que les dés ne sont pas joués, puisqu'on a 500 circonscriptions dans lesquelles on est au second tour. C'est 500 possibilités d'avoir des députés. Alors bien sûr que dans des cas, ça va être compliqué, puisqu'on est dans des bastions historiquement favorables à la droite ou au macronisme, et où on a une carte électorale française qui est aussi... dessiner d'une certaine manière à favoriser, il faut le dire, les candidats de droite. Donc, attention à ce qu'on dit, parce que c'est 47%, en tout cas, selon les estimations de l'abstention actuelle, c'est 47% de Français qui n'ont pas voté, de Français inscrits qui n'ont pas voté, et bien ils sont toujours disponibles pour le second tour, parce qu'une grande majorité d'entre eux sont inscrits sur les listes électorales et sont toujours en capacité de se mobiliser. Et j'en suis sûr qu'ils se mobiliseront dans une série de circonscriptions dans lesquelles on est donné perdant par les estimations actuelles, et au final, on peut gagner. En fait, ça répond à une stratégie, encore une fois, qui est assez perverse de la part du pouvoir de Macron. C'est de miser, encore une fois, sur le dégoût, sur la démoralisation. Ça ne sert à rien de se bouger puisque les dés sont joués. Si, regardez, vous êtes à 500 circonscriptions au second tour, mais... Bon, ça peut pas le faire puisque les sondages nous montrent que ceci, cela. On a vu à maintes fois, que les sondages se sont trompés et qu'ils ont donné des estimations bien en deçà de la réalité en ce qui concerne le résultat de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement politique. Et j'espère bien qu'ils se tromperont encore une fois au second tour, puisque il y a urgence si vous voulez à changer les choses. Les gens, ils n'en peuvent plus en France. Et on est dans une situation où le prix de l'énergie, les prix de l'énergie ont atteint des sommets, où les gens ont du mal à se nourrir, on a des millions de personnes à l'aide alimentaire, on a 6 millions de chômeurs, on a 9 millions de pauvres. Donc tout ça, c'est des urgences auxquelles les gens pensent et desquelles vivent les gens. Donc le second tour de l'élection... En cela qu'il rebat les cartes puisqu'il impose dans la plupart des circonscriptions un duel entre le macronisme et la NUP, eh ben, il oppose deux visions de la société, deux choix de ce que doit être la politique dans les 5 prochaines années. Est-ce qu'on continue avec la même chose ou est-ce qu'on propose des solutions pour que les gens respirent et qu'ils puissent enfin vivre et arrêter de survivre comme c'est le cas pour des millions de Français actuellement. Donc est-ce moi que... je pense que rien n'est joué. Monsieur... Et que malheureusement, une série de commentateurs politiques actuellement, du macronisme volontairement, veulent imposer ce schéma selon lequel, non, c'est impossible, parce qu'évidemment, ils ont un intérêt à ce qu'on ne gagne pas. C'est normal. Est-ce que vous me permettez de faire un petit peu de la politique fiction ? Nous avons entendu M. Macron dire qu'il ne souhaiterait pas que Mélenchon soit Premier ministre. Nous n'avons pas entendu M. Mélenchon revendiquer le poste de Matignon, mais sachant que pour de nombreux observateurs politiques avertis, le poste de Premier ministre est un cadeau empoisonné pour n'importe quel opposant en France. On se souvient de Jospin, Lionel Jospin, qu'est-ce qui lui est arrivé à la présidentielle. On se souvient également de Villepin, quand il a été nommé Premier ministre par Sarkozy, tous des candidats véritables pour le poste de la présidentielle. Donc, est-ce que Mélenchon va s'aventurer à prendre le poste à Matignon pour tuer un petit peu plus son aventure dans la prochaine présidentielle ? Mais écoutez, je pense, ne m'en voulez pas, mais je pense que ce n'est même pas la question, en fait. Puisque si Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui Premier ministre, la question de la présidentielle en 2027, ça serait, ne se pose même pas, puisqu'il gouvernerait dès aujourd'hui. Puisque s'il est Premier ministre... C'est donc vous êtes, certain, et vous êtes certain que M. Mélenchon, s'il gouverne un petit peu la France, il va sauver un petit peu ce qu'il y a comme problème et résoudre un petit peu toutes les problématiques qui se posent actuellement dans la société française.
Mais en tout cas, une grande partie des 650 mesures qui sont proposées dans son programme, elles sont proposées dans le cadre d'un gouvernement qui est possible grâce à une majorité à l'Assemblée nationale. Il faut expliquer à nos téléspectateurs que le système politique français a cela de particulier, c'est que si le président a une majorité de sa couleur politique, c'est lui qui a le pouvoir réel et extrêmement de pouvoir en France. En revanche, si la majorité va à l'opposition, imaginons, va à la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la NUP, cette majorité s'est déjà d'ores et déjà accordée sur le fait que ce serait Mélenchon le Premier ministre, puisque le président serait obligé de nommer le Premier ministre en fonction de la couleur politique de l'Assemblée. Tout à fait. Or, si il la nomme, Mélenchon est Premier ministre, le gouvernement est un gouvernement de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, et donc le programme s'applique. Donc on n'a même pas besoin de penser à 2027 pour savoir si Mélenchon aurait des ambitions présidentielles pour 2027, c'est des questions qui ne se posent même pas. C'est maintenant, en fait l'urgence elle est maintenant, l'urgence à gouverner elle est maintenant, et l'ambition que l'on porte pour le second tour dimanche prochain, c'est justement d'élire, continuer à élire Mélenchon Premier ministre, indirectement en élisant des députés à l'Assemblée nationale de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Merci. Monsieur Sébastien Péri-Maury, permettez-moi d'assister sur la cohabitation. Est-ce que vous y croyez réellement à la cohabitation entre le mouvement d'Emmanuel Macron et le mouvement de Mélenchon, sachant qu'aujourd'hui, les cartes ne sont pas totalement bien distribuées? Alors, c'est Monsieur Péri-Maury. Péri-Maury. Alors je pense que, dans le pire, vous savez, vous parliez de politique fiction. Normalement, quand on écrit un film, il peut y avoir une bonne fin ou une mauvaise fin. Une mauvaise fin, oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, là, le problème qui se pose... Vous êtes partisan de la mauvaise fin ? Non. Le pas problème, du tout. C'est que dans les deux cas, on aura une mauvaise fin. Ah. Donc, vous êtes partisan de la mauvaise fin. Moi, je ne suis pas partisan, je suis malheureusement attristé du choix qui est devant nous par rapport à la situation politique actuelle, puisque si monsieur... Mais alors, déjà, ce ne sera pas une cohabitation, ce sera une co-explosion. Hein, ce sera une co-explosion à l'intérieur de la NUP, parce qu'on sait déjà qu'à l'intérieur de la NUP, il y a énormément de positions divergentes, que ce soit sur le nucléaire, sur le social, sur la retraite, avec des différents, courants qui sont un petit peu... tangent sur certaines questions, donc ce sera déjà pas simple à l'intérieur même de la propre alliance NUP, et donc ça sera une première chose. Et ensuite, si vous voulez, la question qui sera fondamentale en fait, et c'est parce que le deuxième scénario du pire, c'est évidemment Macron avec sa majorité, qui veut dire évidemment le programme de la City de Londres, des intérêts financiers, de l'OTAN, de la Banque Centrale Européenne, etc. etc. Et je pense malheureusement que s'il y a cohabitation, et j'en suis quelque part un petit peu attristé, puisqu'on l'a vu déjà dans d'autres pays, en Espagne, quand la gauche un peu plus radicale est arrivée au pouvoir, on l'a vu en Grèce, quand la gauche un peu plus radicale est arrivée au pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne voulez pas changer le système financier, si vous ne voulez pas dire... À partir de maintenant, on quitte la Banque Centrale Européenne. On renationalise la Banque de France. On sépare les banques de dépôt et les banques d'affaires pour protéger l'argent des épargnants face à la spéculation financière. Si vous n'avez pas un ensemble de réformes immédiates qui protègent l'épargne des citoyens, qui met fin à ce système financier d'économie casino, la Banque Centrale Européenne a créé 3 000 milliards d'euros en 10 ans depuis la crise de 2007, écoutez-moi bien, 3 000 milliards d'euros créés virtuellement pour sauver le système financier. Pas 1 milliard pour l'hôpital, pas 1 milliard pour la recherche, pas 1 milliard pour l'éducation, pas 1 milliard pour le projet industriel. Donc on a malheureusement en France, et c'est ça la tragédie de la gauche actuelle, on a une gauche, aussi radicale que puisse paraître Mélenchon, on a une gauche qui veut rester dans le système libéral européen. Alors on nous parle des fois d'un plan A, d'un plan B, mais on a bien vu ce qu'il en était avec les autres partis de gauche qui est arrivé au pouvoir en Espagne et en Grèce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne prend pas des décisions radicales face à un système financier qui est un système financier oligarchique, c'est-à-dire qu'il y a une vision de la destruction de la France, de la destruction de l'Europe, et qui de plus en plus est en train de soumettre l'Europe
ces milieux financiers de soumettre militairement l'Europe à l'OTAN. Vous savez que à la fin du mois, je ne sais pas si tout le monde est au courant, vous aurez un grand sommet de l'OTAN, si vous voulez, qui aura lieu à Madrid pour un OTAN global, c'est-à-dire aujourd'hui qui va créer une armée mondiale pour contrôler la Chine et la Russie, dans laquelle participe évidemment le projet de défense européen. Donc on peut bien sortir du commandement réintégré de l'OTAN, je l'entends, j'ai entendu M. Mélenchon dire qu'il faut quitter le commandement réintégré de l'OTAN, mais ça ne va pas suffire, si vous voulez, malheureusement, pour combattre justement cet OTAN qui est en train de se mettre en place. Donc il faut aller plus loin, il faut arrêter les positions un petit peu simplifiées pour faire plaisir à tel ou tel électorat. Et enfin, un dernier point, je pense qu'il serait une catastrophe si malheureusement on avait cohabitation et que le programme de M. Mélenchon était appliqué, c'est que la France sortirait du nucléaire. Et ça, c'est une des grandes tragédies qui se profilait, si malheureusement tel était le cas, et que les Français doivent combattre autant que faire se peut, puisque évidemment, ce serait une erreur déjà d'un point de vue ne serait-ce qu'écologique, mais également en termes d'emploi et de destruction de l'industrie, sachant que l'industrie est déjà en France, a été détruite de moitié en 25 ans. Là, ce serait encore une catastrophe industrielle de plus, après les forges, les mines et les autres. Donc voilà, donc il y a malheureusement deux scénarios qui sont les pires, et quoi qu'il arrive, ou quoi qu'il en coûte, je dirais, il faudra continuer la bataille. En tout cas, c'est ce que nous, on va faire avec notre parti, continuer la bataille pour qu'on quitte enfin cette Banque Centrale Européenne, cette Union Européenne Libérale, cette OTAN qui est aujourd'hui un OTAN qui pousse le monde vers la guerre. Et s'il n'y a pas un minimum de ça, on peut promettre le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans et des fruits à chaque dessert, ça ne va pas suffire à changer le quotidien des Français. Merci, Monsieur Sébastien Périmoni. Périmoni, voilà, OK. Donc, d'avoir participé avec nous à cette émission. Je rappelle que vous étiez candidat aux législatives pour les circonscriptions à l'étranger. J'y vais y arriver. Alors, on va revenir un petit peu au débat sur le plateau. Est-ce qu'il y a une chose qui est apparente dans cette élection législative, c'est l'absence de candidats de diversité, enfin de la diversité, c'est-à-dire maghrébins ou d'origine africaine, qui sont des candidats assez importants dans les circonscriptions ou bien dans les partis politiques. Aujourd'hui, les législatives françaises n'intéressent pas l'immigration, si non, on peut dire. Non, il y a des candidats, mais peut-être qu'ils n'apparaissent pas. Ils ne sont pas aussi visibles. Ils n'apparaissent pas dans les médias, oui. Ils n'apparaissent pas beaucoup dans les médias, et c'est vrai que c'est une grande question qui se pose depuis des années. Enfin, il n'y a pas de leader politique issu de l'immigration. Bon, une bonne partie, parce que la droite française a tendance à dire que le NUPES a rassemblé beaucoup de maghrébins, de musulmans, etc. Bon, mais c'est un discours, comme l'a expliqué le représentant du parti. Et effectivement, il y a beaucoup d'attaques sur le projet porté par Mélenchon depuis des années déjà, parce que proposer un SMIC à 1 500 €, titulariser les fonctionnaires, parce qu'il y a 800 000 contractuels dans la fonction publique française, la retraite à 60 ans, etc., ça ne peut pas plaire au milieu des affaires, au milieu de la droite, c'est évident. Et donc, je pense que la revendication de Mélenchon, de Premier ministre, d'ailleurs, c'était un peu le slogan de la campagne. Il y a eu déjà un Premier ministre de gauche avec un président de droite. M. Périmoni n'y croit pas, justement. Oui, il ne croit pas. C'est une catastrophe. Oui, selon lui. Il dirait que c'est une catastrophe. Mais la France a déjà connu ça, à deux reprises au moins, avec Mitterrand. Mais Mitterrand, il n'est pas dans le même schéma de gauche. Oui, c'était la droite classique et la gauche classique. Mais là, on est devant plusieurs courants. Beaucoup d'idées, parce que là... Il a raison quand il dit, par exemple, qu'il y aura des divisions sur certains dossiers. Non, il y aura, à mon avis, peut-être je me trompe, il y aura une crise institutionnelle en France, parce qu'il y a tellement de contradictions dans les programmes proposés par les deux groupes, par Ensemble et par la NUP, qu'il y aura soit des blocages,
Parce que là, là, certains analystes ce soir disent que le président, s'il y aura une majorité relative, il doit travailler avec une majorité d'idées. C'est-à-dire qu'on doit, on doit dégager un consensus autour de certaines idées. Mais il y a beaucoup, beaucoup de divergences. Donc, soit il y aura une cohabitation qui sera très compliquée, très difficile pour Macron, soit il y aura une crise institutionnelle parce que ça, se mettre d'accord sur plusieurs dossiers, notamment sur le dossier social, des retraites, des écoles, de la santé publique, des biens publics, la nationalisation des banques et tout ça, il me semble que ça sera très, très compliqué pour Macron. Donc, il va gérer un quinquennat très compliqué, très difficile. Alors, Reda, je voudrais insister justement sur la question de l'immigration. D'après vous, pourquoi les immigrés ne s'intéressent pas à être députés, comme on le voit par exemple au Canada, on le voit en Belgique, beaucoup de Maghrébins et même d'origine africaine sont candidats, ils deviennent des ministres aussi. Hein. Donc aujourd'hui, la majorité qui sont un petit peu nommés dans le gouvernement sont nommés pas dans des victoires politiques, ils sont nommés par la force de la majorité. Effectivement, contrairement aux pays voisins que nous connaissons, comme par exemple la Belgique, Le Royaume-Uni, même le Canada, les Pays-Bas. Pour les pays limitrophes avec la France, il n'y a pas de visibilité pour les représentants de l'immigration, qui sont issus de l'immigration nord-africaine ou africaine tout court. Bon, ça nécessite une étude beaucoup plus approfondie, mais c'est dû au fait que il y a un problème déjà à la base, un problème institutionnel en France actuellement qui devra être résolu parce que ce système de la Ve République, il est issu d'un coup d'État en 1958 et qui a fait en sorte qu'on a un certain césaro-papisme qui est en place et qui déjà ne favorise pas beaucoup l'alternance d'une manière générale. Donc c'est le premier point. Et avec Mélenchon, il y a cette possibilité qui s'offre pour qu'il y ait un processus de transformation radicale, parce qu'il y a une forte demande déjà au sein de la population française, et ce processus veut que la France change carrément de système et qu'elle passe vers une sixième république dans laquelle il n'y aurait plus de président symbolisant, ayant des fonctions qui rappellent l'ancienne monarchie. Napoléon. Voilà, c'est le premier point. Deuxièmement, le parti de Jean-Luc Mélenchon se veut être aussi l'héritier du Front populaire, quelque part. Donc, il ne va pas lésiner sur son programme. Et même s'il y a des oppositions à l'intérieur de sa coalition qui est hétéroclite, s'il a la possibilité de gouverner la France, avec sa personnalité, il réussira très rapidement à s'imposer. Et même à s'imposer aussi bien au sein de sa coalition que vis-à-vis du président Macron, quitte à provoquer une crise institutionnelle, parce que cette crise-là, de toutes les façons, elle sera demandée et revendiquée par une partie de la population française qui se reconnaît de moins en moins dans ce type d'institution. Sofiane Baroudi, l'immigration reste un point fort du mouvement de Mélenchon. Est-ce que vous pensez que si des députés se détachent justement du mouvement NUP, nous allons voir plus d'une vingtaine ou une trentaine de députés d'origine, comme a dit Reda, nord-africaine ou africaine? Déjà, je voudrais dire qu'on a invité un candidat franco-algérien qui est du camp du président Macron, de la République En Marche. Malheureusement, il n'a pas donné suite à l'invitation. On espère qu'on l'aura prochainement. Parce que il y a aussi une spécificité importante de la République En Marche de Macron, c'est qu'elle a aussi réussi à capter l'élite des franco-algériens, On a vu, par exemple, le dernier remaniement qui a eu lieu dans le gouvernement Macron, la nomination de certains ministre d'origine maghrébine ou arabe. Dès 2017, l'élite, on va dire, la super élite maghrébine et même africaine, depuis 2007, avec Sarkozy, a été cooptée notamment par Macron et par la République En Marche. Sinon, les traditions politiques en France, y compris le Front populaire 1936-1937, le Front populaire, à l'époque, dont se revendique Mélenchon actuellement, avait exclu l'étoile nord-africaine qui deviendrait le parti du peuple algérien. Et ça avait déjà créé, si vous voulez, un premier fossé entre la gauche française et la cause
de l'indépendance de l'Algérie notamment et de l'Afrique du Nord plus globalement. Et c'est un épisode qui fait encore légion. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de fermeture des milieux politiques français, y compris progressistes, à, si vous voulez, par exemple, Mélenchon veut capter les quartiers populaires, parce qu'il faut le dire, la population d'origine maghrébine est pour la très grande majorité enracinée dans les quartiers, dans les milieux populaires en France. Et c'est ces milieux-là qui ne votent pas parce qu'ils ne croient pas au système électoral et même au système politique en France en général. Il y a une forme de décrédibilisation parce que la Ve République, qui est une Ve République coloniale, a aussi des racines et des fondements, si vous voulez, racistes très prononcés. Et donc, il y a une forme de dégoût, de désintérêt pour la politique institutionnelle. Sinon, la vraie prégnance, si vous voulez, de l'immigration était dans le mouvement syndical. Et le problème, c'est que le mouvement syndical a été déstructuré et qu'il y a actuellement déjà des batailles entre différents cadres dits bureaucratisés avancés et que le mouvement syndical a aussi subi des défaites historiques, notamment en 2017 sur le mouvement Loi de Travail qui a réussi à mobiliser des millions de Français et beaucoup, beaucoup de Français d'origine maghrébine qui sont très impliqués dans les luttes du travail. La défaite de 2017 sur la fameuse loi El Khomri, justement, c'est une loi qui a été même elle promulguée par un an. Pour terminer avec Sampien, peut-être, si vous permettez, Salim. Brièvement, s'il vous plaît. Le défi maintenant se pose aux syndicats, aux partis classiques et également aux médias. Parce que depuis le moment des Gilets jaunes, on a vu que la rue française conteste tout le monde. Il y a une remise en cause, peut-être qu'on va aller dans le sens que dirait là, peut-être c'est la fin de la Ve République. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs candidats issus du mouvement des Gilets jaunes qui étaient candidats justement dans le mouvement, dans cette élection législative, qui n'ont pas été élus. Oui. Voilà, cette émission est à présent terminée, cette édition spéciale de pour les résultats du premier tour des législatives en France. Je remercie Sofiane, je remercie Reda et Faisal, et également nos invités de Paris pour avoir participé à ce débat pour commenter le premier tour des résultats des législatives. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les résultats du deuxième tour et bien sûr un débat global sur la situation de la classe politique française. Bonsoir, restez branchés sur Al24 News.